Alors déjà, aujourd'hui dans la même culture, qu'est-ce que tu as fait sourire. Alors, je vous ai déjà parlé de ce restaurant qui allie avec brio, gastronomie et art, qui s'en souvient. Oui, c'est vrai, Villa Elvira. C'est vrai, je crois que c'est ton des restaurants préférés. Hein. Ouais. Enfin, j'ai l'impression que ça nous donne en tout cas. Ouais. Et c'est ce restaurant-là a donc sa salle d'exposition maintenant. D'accord. Et elle va ouvrir ce soir. Et il y aura un artiste peintre ivoirien, et non des moindres, okay, Jacob Bleu, qui va exposer donc, à la villa pour le lancement, l'ouverture de cette galerie d'art-là. D'accord. Et il faut savoir que Jacob Bleu, qui va donc exposer ce soir, est un artiste peintre qui fait la fierté de la Côte d'Ivoire. Mais qui oui. a reçu plusieurs distinctions. Il totalise d'ailleurs plus de 20 années d'expérience dans le domaine artistique et culturel. Donc, au nombre de ces distinctions, en 2007, il reçoit la distinction du chevalier du mérite culturel ivoirien. En 2016, le prix d'excellence cinéma et art visuel pour ses actions en faveur de l'art. En 2017, il reçoit le prix Fierté de la région du Tonkpi pour sa contribution active à l'organisation du festival Tonkpi Nidale, j'espère que je prononce bien, de promotion des cultures et des cultures alliées. Donc, c'est vraiment pas un petit, quoi. Non, oui, même moi qui suis pas allée en promoteur art, là, je le connais très exactement, bien. Exactement, il est vraiment très engagé. Et oui, grand promoteur de l'art local, c'est ça qui est bien. Dans l'art, donc je vous le dis. Et croyez-moi, vous n'avez absolument pas envie de rater ça. Donc, allez voir, allez découvrir. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui savent de qui il s'agit, mais je sais qu'il y en a d'autres qui ne sont pas trop calés en art et qui ne le connaissent pas. C'est le moment d'aller découvrir Jacob Bleu. Moi, j'adore, en tout cas. D'accord. Voilà. Et donc, c'est l'exposition qui aura lieu ce soir. À la Villa Elvira, à partir de 17h. Et c'est gratuit, c'est cadeau. Ah, c'est ça, c'est voilà. La question qu'il faut poser. C'est très important. Vous n'avez pas d'excuses. C'est vrai que souvent, on se dit s'il faut payer pour aller découvrir. C'est gratuit, vous inquiétez peut-être pas. Peut-être qu'il y aura un petit cocktail aussi. Bien sûr. Ah, comme d'habitude. Et pareil, les boissons sont offertes, peut-être. Exactement, donc voilà, tout est réuni pour découvrir. Oui, j'adore quand... C'est ça, parce que quand tu dois découvrir quelque chose, il faut qu'on te motive, tu vois. Exactement. Ça motive. Et puis, j'ai un petit bonus. La semaine dernière, on parlait de tourisme, de promotion du tourisme local, etc. Et donc, la semaine prochaine, le 6, donc ce week-end-là, il y a des jeunes qui organisent, qui ont à cœur de la promotion du tourisme local, etc., qui organisent... Une excursion, je vais y arriver. C'est une balade lagunaire pour découvrir l'île Boulé et un village qui s'appelle Bakré et un lac donc, qui porte le même nom, le lac Bakré et le village Bakré, du coup. Et il y aura plein du kayak, la randonnée, plein d'activités physiques qui vont vous permettre de passer un bon moment, un bon samedi. C'est un aller-retour. C'est que tout le monde n'a pas le temps et tout le monde ne veut pas consacrer tout son week-end quand même à la découverte. Il faut se reposer pour reprendre le boulot. Donc ce samedi-là, vous pourrez aller découvrir l'île Boulé. On connaît un peu tous l'île Boulé, mais on connaît le côté hype. Yes. On ne connaît pas vraiment le côté... C'est vrai. Les resorts un peu... Exactement. Voilà, on ne connaît pas vraiment le côté nature et tout ça. Donc c'est le moment, c'est l'occasion de découvrir ça. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez contacter le 07 79 18 17 78. Voilà. Tu vas y aller, toi, j'imagine. C'est ça ton week-end? Déjà, non, c'est bien. Tu te fais plaisir, c'est bien. On sent que tu aimes la vie. Exactement, je te confirme ça. J'adore la vie.